Et je vous dis ce qui nous peut être, nous n'avons pas une minute dans WhatsApp, nous peut être sorting. Correct? Qui sorting algorithme nous peut être? Bubble sort. Correct? Bon, nous allons finir avec WhatsApp, les élèves viennent là, et là, les élèves cliquent sur le lien là. Et cliquent sur le lien là, voilà, ils rentrent dans un site appelé Wikibook, que nous peut être une animation des sorting algorithmes. Qui nous peut être? Sorting algorithm. Qui veut dire sorting? Il y a arrange in order. Bon, là, tu as cette animation là, il peut scan. Il peut large, plus gros, il peut get sa sorted list là peut grandir et un sorted list peut diminuer et puis aller vite plus vite. Observe l'animation. Là il a des ordres. Il peut plus gros les scan, il tient plus gros. Next, il rescan la liste là. Next largest. Que tu peux grandir, il peut aller. Il veut dire sorted list peut grandir, un sorted list peut diminuer. Sorted list peut grandir et un sorted list peut diminuer. Et aller les lignes plus rapide et derrière ligne sorted list. Ok, voilà, là les unsorted, il peut scan, il peut être plus gros, il rescan depuis le commencement, il peut être plus gros, next scan, il peut être plus gros, next scan, il peut être plus gros. Bon, ligne est un mot bubble sort. Bubble qui fait comme si il peut être plus gros et next plus gros, boule peut sortir, puis aller, il peut bubble peut sortir. Ok, il peut bubble, il peut tirer. Là, ligne est sorted list. Commencement, il est unsorted. Et les lipé scan, il peut faire algorithme là, il peut gagner un sorted list. Mais il peut mettre dans l'eau. Bon, question pour moi là, avant de continuer. Pose-moi question, je vais mettre ça en animation là, maintenant. Ok. Voilà. Allez, maintenant, je vais mettre une deuxième animation. Vous êtes comprenez les plus bien. Allez, mettre ça en animation là. Ok. Commencement, un sorted. Il compare premier avec deuxième. Trois plus grands, il swap. Ok. À ce qu'il est comparé. Trois avec cinq. 5 plus grand, il n'est pas pour swap. 5 avec 6, pas swap. 6 avec 10, swap. 6 bouge pas là. Mais il peut bubble out. Plus gros chiffre, il peut tirer. Ok, 6 avec 4, il peut swap. Ok, voilà, swap. Voilà. Et 6 avec 7, il n'est pas pour swap. 7 avec 8, il n'est pas pour swap. Mais il y a la ligne, ça côté là, il y a sorted list. Et le côté unsorted, il peut recommencer. Il peut bubble next largest. Next largest 5 bousées et 5 avec 4, 5 bousées veut dire nos sorted list peut grandir et nos unsorted list peut diminuer. Veut dire peut mettre dans l'eau. Et chaque fois il recommencer depuis le commencement, on appelle ça one pass. One pass, first pass, second pass et third pass. Voilà. Comme vous pensez, je suis fini avec l'algorithme là, je vais comprendre l'algorithme là, observer comment un bubble sort marche. Bon, en gros, bubble sort est pour. Scan mon élément là, il peut être plus gros, là, next plus gros, il y a les de sorted list, les pour grandir, de unsorted list pour diminuer. Bon, voilà un petit peu, nous avons un coup de first pass. Le first pass, il peut faire, ok, voilà, il prend 5 avec N, il fait un swapping. Right. Là, il prend 5 avec 4, il peut prendre encore un swapping, voilà, et 5 avec D. Il peut un swapping et 5 avec 8 il n'est pas pour la swapping. La first pass là il prend, il tient plus gros élément, c'est 8. Second pass là il fait, next plus gros élément il tire, c'est 5. Et third pass là il fait, next plus gros élément, c'est 4. Et finally il saute parce qu'il a un deal déjà dans l'eau. Maintenant, ça c'est un algorithme que nous pouvons un pseudo-code pour bubble sort. Correct, ça c'est un procedure. Procédure là, ce nom appelle bubble sort et il y a un array qu'il peut prendre et là nous peut expliquer comment il peut sortir, comment il peut faire sorting. Bon, sorting là normalement pour il y a deux loops. Vous pouvez remarquer il y a un loop, ça c'est while loop et en dans lui il y a un autre loop et un for loop. Il y a pour il y a deux loops qui fait des loops parce que là il peut faire un pass, ok, chaque fois il vous fait un pass, il vous fait un loop, mais ça passe ça, il vous a répété, il vous a recommencé depuis le commencement. Allez, nous regardons ça bien, nous regardons. C'est l'algorithme là. Ok, là, il peut être plus gros. 8 lignes tient plus gros, 7 lignes tient plus gros. Il commence là. Il compare. Il peut être plus gros élément. Ok, ça c'est un pass. Il peut répéter sa passe là plusieurs fois. Il est dans un loop ou dans l'autre loop. Un enfant a besoin d'identifier. Il est fait un scan, il peut tirer, il peut être plus gros. Il peut refaire encore un coup de scan, il peut être plus gros. Il vient refaire encore une coup de scan pour un next plus gros. Il vient dans un loop ou un autre loop. Ça, un enfant vous a fini de remarquer. Voilà. Bon,
Si qu'a pas fait lié avec une fonction, oui, qu'a fait lié une fonction ou bien une procédure. Ça n'est pas un problème. Là. Ok? Qu'a fait lié pas une fonction, une procédure. Maintenant, je comprends méthode comment travaille avec un bubble sort. Mais des enfants, là, pour les comprendre plus bien, bubble sort veut dire les boutiers largest element, là, next largest, comme ça, les voiles. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Nous avons ça, des animations. Là. Une animation qui sont observées, et une loop. Voilà, et encore une loop. Il y a une loop dans un bubble sort, il y a deux loops que les enfants besoin d'identifier. Correct? Et dans ce algorithme, comment les trouver? C'est une procédure, tu as fait comme une fonction ici, une procédure là, ce nom, et un array qui peut rentrer, et il y a une while loop, voilà, mais tu as sans loop là aussi, mais en dehors, il y a une autre loop. Correct? Et il y a une affaire qu'ils ont besoin d'observer, en dehors, en dans une loop là, les comparer et si les besoin fait un swap ou ça les pas fait un swap. Donc qui veut dire ça? Veut dire les objets là, ils peuvent comparer ça des éléments, ok? Un élément par devant avec un élément par derrière et si les plus grand, ils peuvent swap. Les comparer ça des là, voilà, peine à swap. Les comparer ça des là, il y a un swap. Swap veut dire sans place, correct? 8 à le côté, 7 bin de côté. Les comparer l'ex tout, il y a un swap parce que 8 plus grand qui dit, les swap. Ok, et là, il compare ça dès là, dans le devant, 8 plus grand qui 4, il swap. Mais il y a plus gros élément, il tire, c'est 8, il bubble out. Il recommence depuis le commencement, il peut tirer next plus gros, et next plus gros, c'est 7, vous pouvez marquer. Il compare ça dès là, swap. On parle le D, 5 plus grand, il swap. Et 5 avec N, il peut la swap. Et le D, il compare 5 avec 6, voilà. Pena swap, 6 avec 7, pena swap, mais 7 avec D, ina swap, 7 bousé, vin devant, et 7 avec 4, ina swap. Voilà, maintenant le sorted list, voilà, 7 avec 8, les sorted, les restes, les unsorted. Mais le sorted list peut grandir, unsorted list peut diminuer. Et dans l'algorithme là, voilà, il y a un loop, while loop, en dans li, il y a un for loop et en un for loop là les besoins comportent array là appelle e, ok, et i c'est un élément devant, i minus 1 c'est un élément pas derrière, mais dire un élément pas derrière c'est le plus grand qui élément pas devant, les là les swap ça des éléments i minus 1 et i les swap ça des là les sans autre place. Maintenant les enfants qui suivent ça à l'animation là, je ne comprends les plus bien c'est sorting. Voilà, ça c'est un bubble sort, il peut être plus gros, next plus gros, il peut scanner, il peut aller, il peut être plus gros élément. Et là, je vais faire une animation là, il compare, si les plus gros, il swap, il y a 3 plus grands qui dit, il swap. Voilà, swap, et 3 pas plus grands qui 4, il pas pour swap. Correct? Et une sorte de liste peut grandir, et une sorte de liste peut diminuer. Bon, on retourne dans une autre semaine. Tous les élèves vont trouver, ils ont gagné sa note là. Et là, si je rentre dans ce link là, comment dire, je vous trouve ça animation là. Mais là, nous avons nos notes, qui nous peut guetter aujourd'hui bubble sort. Allez, qui je vais en prendre? Bubble sort qui veut dire arrange in order. Qui veut dire sorting? Arrange in order. Et comment il peut arrange in order? Il peut comparer. Ouais. Oui, number of cycles, il peut dépendre. Le combien d'éléments tu as dans array là. Correct? Combien d'éléments tu as dans array là. Et nous vous montrer toi, array là, comment il peut garder ça. Un array ça, array là, combien d'éléments tu as, autant cycle il peut faire. Maintenant, nous continuons avec un array ça, il y a souvent un élément. Maintenant, nous avons notre ça pour nous comprendre plus bien. Voilà, je vous dis qu'il nous peut expliquer bubble sort. Qui veut dire sort? Arrange in order. Et comment nous peut arrange in order? Nous peut get by adjacent pairs of values. Et nous pouvons comparer si un élément avant un plus grand qui le là, nous pouvons faire swapping. Bon, quand nous pouvons garder nos mandats d'état dans un array. Correct? Right? Là, tu trouves ici un array. Correct? C'est un array. Ça. Et là, il y a un sorted. Qui était un sorted. Et là, finalement, qui est arrivé, il y a un sorted. Donc, qui nous peut guetter là-dedans, nous peut comparer un élément, nous peut prendre un unsorted list. Qui veut dire unsorted? Parce que 25, 34, 98, 7, 41, 19, nous appelons ça unsorted. So this is an array. Correct? Array là, il y a combien d'éléments? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Et ça, 7 éléments-là, il part dans l'autre. Et finalement, qui nous pourrait aller? Nous pourrait aller dans l'autre. Qui veut dire l'autre? Veut dire ascending ou bien descending. Qui est plus petit? 25, 34, non, non. Sauter de liste-là, il peut encore faire. Ça, c'est le premier passe. Correct? Là, il fait premier passe, il replie gros élément, c'est 98. Mais là, il vous recommencer depuis le commencement, il vous rôder jusqu'à la fin, il vous gagne sauter de liste. Sauter de liste, il est là. Voilà. 5, 7, 19, 25, 34, 41 et 98. Chaque fois qu'il vous. Ça, c'est original list, ou un array. Voilà, mon original list, il y a un array. Combien d'éléments il y a dans la 7? Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il est dans l'autre? Non. Il est unsorted. Original list est unsorted. Après 6 passes, là, nous avons 7 éléments. Nous avons 7 éléments. Combien de passes il peut faire? 6 passes. Qui fait 6 passes? Parce qu'il là, il peut déjà sauter. Et chaque fois, il peut faire une passe. Voilà, une passe, il veut dire une loop. Qui veut dire une passe? Il veut dire un loop. Il veut dire ça nous arrive. Premier élément qui bubble out, qui sort, plus gros élément qui pour bubble out, c'est 98. Ça infini sort. Après ça, ça bout là, les un sort. Deuxième élément plus gros là-dedans, c'est quoi? 41. Fait dire ça, mon sort de l'espèce grandit, mon un sort de l'espèce diminue. L'autre élément plus gros là-dedans, qui plus élément plus gros? 34, pour bubble out. L'autre élément plus gros ici là, dans ça, un sort de l'espèce là, 25, qui pour bubble out. L'autre élément plus gros ici dans unsorted list, c'est 19, qui pour bubble out. L'autre élément plus gros ici, c'est 7 qui pour bubble out. Mais derrière là, pas nécessaire. Comparer, parce qu'il peut en avoir pour comparer. C'est un petit petit. Allez. Est-ce qu'il y a la liste des sorted? Oui. Qui fait les sorted? Ascending order. 5, 7, 19, 25, 34, 41, 98. Ça, c'est une sorted list. Ça, c'est une unsorted list. Quand nous regardons nos data dans un array. Ok, quand nous regardons nos data dans un array. Combien d'éléments il y a dans l'array là? 7 éléments. Est-ce qu'il est sorted original list? Non, unsorted. Final list qui est dit? Il est sorted. Qui veut dire sorted? Arrange in order. De qui order in arrange ici? Ascending. Combien de passes il nous a fait? Combien de loops il nous a fait? Combien d'itérations il nous a fait? 6. Qui fait 6? Parce qu'il y a 7 éléments. Chaque fois qu'il veut faire un loop, il peut être plus gros. L'autre côté de la loupe là, deuxième plus gros, troisième plus gros, quatrième plus gros, cinquième plus gros, sixième plus gros. Le septième là, pas nécessaire comparer. Question pour moi? Voilà, c'est la première passe. Ah, c'est sa première passe là, il explique en détail hein, là-haut. Voilà, il explique en détail. Bon, là c'est mon unsorted list. Et il compare 25 avec 34. Ok? Et 25 avec 34, 34 plus grand, pena swap. Le swap. Parce qu'il est plus gros pour descendre en bas. Mais entre 25 avec 34, 34 déjà plus gros, il reste dans sa place. Maintenant, de comparer 34 avec 98. Qui est plus gros? 98, ne swap. 98, là reste en bas. Maintenant, entre 98 avec 7, laquelle plus gros? 98. 98 descend en bas, swap, et 7 monte là-haut. Maintenant, entre 98 avec 41. Qui est plus gros? 98. 98 descend en bas, et 41 monte là-haut. Comme si plus gros peut descendre en bas. Entre 98 et 19, qui plus gros? 98. 98 descend en bas et 19 monte là-haut. Et entre 98 et 500 plus gros, 98. 98 descend en bas. Je veux dire, ça c'est mon premier passe. Dans mon premier passe, premier scan qui m'avait scan depuis le commencement à la fin, plus gros élément in bubble out, c'est 98. Maintenant, mon besoin recommence depuis le commencement pour faire une autre passe. Voilà, résultat de mon premier passe. Ça, c'est résultat de mon premier passe. Plus gros élément qui m'ont tiré, une bubble out, c'est 98. Maintenant, ce qui est resté, ça qui est resté, un sort de là, ça resté. Là, mon bourré, bubble plus, next largest. Next largest, c'est 41. Maintenant, là, un sort de moins 100. Voilà, ça, mon un sort de. Next largest, qui était 34. Et là, vous continuez, next passe. Next largest, c'est 25. Là, je re-bubble out. Next largest, c'est 19. Plus gros descend en bas. Next largest, c'est 7. Bon, dernier qui restait 5. Veux dire, si on a 7 éléments dans mon liste, dans 6ème passe, nous pouvons gagner tout un élément hein, sorted. Question pour moi? Allô? Question pour moi? Oui ou non? Allez, on continue.
Bon, si j'ai envie de comprendre les plus bien, moi, je vais te donner un link. Voilà, link là, là, ou clique le link là. Ou pour get sa animation là, vous comprenez les plus bien. Get bubble sort, il peut scan, il peut plus gros éléments. Plus gros éléments, il peut faire swapping au milieu. Sa première passe, deuxième passe, fini. Sa troisième passe. Sa quatrième passe. Sa cinquième passe. Sa sixième passe. Il peut faire une passe, il peut aller. Voilà, chaque fois, il peut faire plus gros éléments, next, largest. Bon, dépendant combien d'éléments il y a, autant de passes il peut faire pour gagner dans l'eau. Correct? Maintenant, c'est une animation là. Cette animation là aussi, il peut comparer les plus gros éléments. Plus gros éléments qui étaient 8. Il veut dire 8 pour bubble out là. Il peut sortir début de la liste là. Voilà, il compare. Ça, c'est premier passe. Dans la première passe, il peut faire plus gros éléments, il sortit, c'est 8. À ce moment-là, il faire une seconde passe. 8 in bubble out. Ok? Allez, deuxième passe commence. Deuxième passe, il recommence depuis le commencement. Next largest, il peut tirer, il peut scan. 7 pour sortir, là, de trouver. 5 plus gros. 5 avec 1, il peut swap. Swap vers le sens position. Voilà. Ou swap encore. Non, ça, 5 avec 6, il n'est pas pour swap. 6 avec 7, il n'est pas pour swap. Mais 7 avec 2, il est pour swap. Voilà. Et 7 avec 4, il est pour swap. Next largest, c'est 7 pour sortir. Voilà, next là, just 7 pesos aussi. Mais j'ai la deuxième passe. À ce temps, il peut faire 3ème passe là. Voilà, 3ème passe, il peut. Et il peut faire next là, just. Bon, combien d'éléments il y a dans ça, l'exemple là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 éléments. Et dans ça, 8 éléments là, combien de passes il peut faire? 7 passes. Dans 7 passes, il peut finir un lead dans l'autre. Alright? Maintenant, get un autre exemple ici en bas. Il y a 5. N, 4, 2, 8. Ok, combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Combien de passes il faut faire? 4 passes. Dans 4 passes, il faut finir mettre dans l'autre. Ok, mais maintenant, si déjà dans l'autre, capable moins même de finir. Maximum, c'est dans 4 passes qu'il faut finir mettre dans l'autre. Voilà, là, dans la première passe, il faut faire plus gros éléments. Il faut scan, plus gros éléments, c'est 8. Dans la deuxième passe, next largest, c'est 5. Dans la troisième passe, next largest, c'est 4. Et là, il est déjà dans l'autre, capable de quatrième passe, pas nécessaire faire. Le troisième passe, il finit bien, il est dans l'autre, le array, il saute. Maintenant, nous pouvons aller de côté algorithme maintenant. Le côté coding. Bon, comment ça, algorithme là, travaille, ce pseudo-code? Simplest way of sorting, allez-moi. Allez, maintenant, nous continuons. Comment nous trouver le travail? Il compare first avec second values. Si jamais first value is larger than second value, là il swap. Et il compare second avec third. Si second plus grand que third, il swap. Il compare third avec fourth. Si il plus largest, il swap. Et comparing the adjacent values, il swap if necessary until the last two values in the list have been processed. Ok, voilà. Là le mode résultat, il compare dans un poste, il tient plus gros. Et chaque fois qu'il fait un passe, il tient next plus gros, next plus gros, next plus gros. Si tu as 7 éléments, si tu as 7 éléments, il peut faire 6 passes pour te mettre tout dans l'autre. Ça, c'est unsorted list. Et là, nous avons un sorted list. Maintenant, each element in the array is compared with the next element and swap if the elements are wrong order. Starting from the lower bound and finish with the next element next to the upper bound. Correct? Bon, nous pouvons expliquer ça, nous donner un sous le code, sur le. Bon, là, c'est une autre façon pour expliquer. Allez, suivez ça bien. Ça, c'est sorti dans le livre Helen Williams. Get là nos arrêts. Dis-moi nos arrêts, comment appeler ici? My list. Ouais, nos arrêts appellent my list. Correct? Tu en fais une trouvée là. Maintenant, dans nos arrêts, combien d'éléments nous avons? Get là, combien d'éléments nous avons? How many elements we have in the array? 0 à 8, c'est-à-dire nous avons 9 éléments. Correct? Et dans 9 éléments, d'après l'autre, combien de passes nous vous avez fait pour mettre dans l'eau? Nous pouvons oui. Faire 8 passes. Correct? Et là, ce qu'il peut montrer, c'est ça index là, veut dire array là sur location. C'est-à-dire array là, my list, sur location 0, nous avons 27. Sur location N, nous avons 19. Sur location D, nous avons 36. C'est-à-dire ça, c'est my list. Là, ce premier passe qu'il peut faire, ce premier passe qui comporte tout ça en éléments, ce premier loop, il swap, il y a plus gros éléments dans l'arrêt là. Plus gros éléments, c'est 89.
ça c'est sorted, et là-haut, tout ça, un élément là, les unsorted. Je vais dans mon first pass, dans bubble sort, je vais dire plus gros élément là. Parce que vous faites second pass. Second pass veut dire, ça 8e là, l'infini tirer plus gros élément 89. Second pass, c'est ça, les restes là, les vous comparer, et next plus gros élément, l'infini c'est 55. Maintenant, là, nous avons ça, nous avons une sorted list, qui peut grandir, et nous avons une sorted list, qui peut diminuer. Et là, il peut faire second pass fini, il peut faire third pass. Et il fait third pass, troisième élément plus gros, il tire, c'est 42. Voilà, il peut swap, il peut aller, et 42 next gros. Il dit à mon sorted list, peut grandir, mon sorted list, peut diminuer. Et ça, mon array, ça, array là, appelle my list, et ce index, il est 0. Mais à ce moment, remarquez un pointer là, top. Top là, il peut keep track of tout ce qui n'est pas encore sort. Get top commencement, get le là, dans 8e élément. Et le next pass, top in win là. Qui fait top in win là? Voici sa 8e position là, infini sorted. Top mode là-haut, get la limote là-haut. Veut dire ça, infini sorted. Right, top infini, il keep track of sorted list. Et top là, il peut mode là-haut encore, vous voyez? L'intérêt next largest. Next largest, l'intérêt c'est 36. Peut-être que ça, en bas là, il peut venir sorted. Voilà, en bas là, il peut venir sorted. Là-haut, un sorted peut diminuer. Il est là, 36, 42, 55, 89. Mais ça, là-haut, il n'est pas encore venir sorted. Et top, il peut keep track of qui les risques il n'a pas sorted. Maintenant, on est dans 5e pass. Dans 5e pass, top mode là-haut. Next largest element, c'est 27. L'intérêt 27. Sorted list peut grandir, un sorted list peut diminuer. Sixième passe, nous gagnons 21, nous mettons là-dedans. Et là-haut, sorted list peut diminuer, un sorted list peut diminuer, sorted list peut grandir. Bon, un petit message, nous gagnons un coup. Là, nous ne pouvons pas servir un stack, mais plutôt nous pouvons servir un array pour expliquer ce bubble sort. Nous sommes capables de servir un array pour faire stacks choose to. Mais là, nous pouvons servir sorting. Nous pouvons servir un array pour sort. Maintenant, 7e passe. Il y a de la 7e passe. Comment vous avez trouvé? Nous sorted list peut grandir. Et nous un sorted list peut diminuer. Et top peut monter là-haut pour indiquer nous qui nous payons beaucoup pour sort. 8e passe, nous arrivons là. Et 8e passe, c'est notre dernier passe. Qui fait parce que nous avons 9 éléments. Et là, nous finissons sur ça. Et ça n'a pas été pour comparer, pas été pour sortir. Nous finissons avec une sorted list. Voilà une sorted list. Il y a 16, 16, 19, 21, 27, 36, 42, 55 et 89. Dans 8e passe, nous gagnons. Il y a 9 éléments. Voilà nos 9 éléments. Voilà nos 9 éléments. 0 à 8 fait nos 9 éléments. Commencement, il y a un sorted. Dernier, les lignes comparées, une swap, une allée, comme ça, l'intérêt plus gros. Dernier, nous gagnons une sorted list. Voilà le 8e passe, nous gagnons une sorted list. 16, 16, 19, 21, 27, 36, 42, 55. Maintenant, une façon plus simple pour expliquer un autre exemple. Allez, observe ça. Ok, observe ça. Nous avons la liste là, un array. Voilà nos array. Combien d'éléments il y a? N, nous avons tout combien d'éléments nous avons dans N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 éléments. Et là, nous trouvons les unsorted. Qui fait les unsorted? Il y a 9, 6, 2, 8, 3, N, 7, 5, 4. Et là, les premiers passes qu'il peut faire, bon, il y a 9 éléments. Combien de passes il peut faire? Il peut faire 8 passes, probablement, maximum. Il peut faire moins, mais maximum 8. Les lignes scan, il y a plus gros éléments, 9. Les rescan, il y a next plus gros éléments, 8. Les rescan, il y a next plus élément 7. Les rescan, next élément 6. Le 5, le 4. Les rest dans l'autre. Bon, si il est dans l'autre, nous pouvons le faire encore passe. Et un maximum, il y a 9 éléments, 8 passes, tu peux faire, tu peux faire dans l'autre. Mais là, il ne peut pas faire 8, il fait moins, qui fait parce qu'il est déjà sauté en bas. Nous prenons un autre exemple. Voilà, une autre façon d'expliquer. Dans le first pass, commencement, il y a 5. 2, 3, 4, N. Plus gros élément l'intérêt c'est 5. Il fait second pass, plus gros élément l'intérêt c'est 4. Il fait third pass, plus gros élément l'intérêt 3. Il fait l'autre pass, plus gros élément l'intérêt
c'est deux. Et derrière la panel, c'est à faire. Mais il y a combien d'éléments qui sont là-dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5, 4 passes, l'infini fait soit pas tout. Correct? Vous pensez tous les éléments pour moi. Allez, question pour moi. Si les coupés ne vous reconnectez là. Question pour moi. Content, monsieur. Allez. Maintenant, nous avons besoin de ban variable qui est PCA. Correct? Vous avez besoin de comprendre. Bon, my list c'est quoi? Un array. Voilà comment on déclare l'idée VB. My list c'est array là. Qui se size? Ici, les PCA 0 à 6. Correct? 0 à 6 veut dire 7. Mais via ce explanation, il y a un array, une dimension array, il peut store 7 éléments. 0 à 6 veut dire 7 éléments. Bon, l'insérie max index ou maximum bound. Ok? L'insérie n, the number of pairs of elements to compare each pass. Et no more swap, les boolean. Ok? Qui fait l'insérie no more swap, boolean, pour guider si besoin swap ou ça pas besoin swap. Boolean veut dire no more swap, les gars, true or false. Il dit si c'est true, il dit there is a swap, si c'est false, there is no swap. Maintenant, j c'est un integer, quand il compte in a loop, temp important, qui fait important pour servir temp, parce qu'il a fait swapping, donc il a gardé variable temporaire quelque part. Ok, comment tu swap? Valer à une place, tu peux avoir l'autre place. Il faut override, mais tu as gardé temporaire. Voilà. Maintenant, ça c'est un pseudocode, nous regardons ça. Redonne pseudocode un peu plus facile pour expliquer, peut-être, nous vous servir ça. Allez, nous regardons cette table encore pareil, même affaire nous expliquer. Ça, sa table, ok, sur l'autre version dans notre livre, ligne de demi, nous regardons là. Voilà. Qui identifier nous peut servir my list. What is my list? Il y a un array. Nous avons un upper bound d'arrêt là, nous avons un lower bound, nous avons un index, nous avons une variable qui appelle swap, les flags, les booleans, nous avons un top index, nous avons un temp important. Maintenant, ça c'est un pseudocode qui nous peut guetter comment bubble sort marche. Bon, là nous déclarons une bonne variable et là nous pouvons avoir deux loops, un loop et un repeat loop et en dans ligne nous avons un for loop. C'est-à-dire bubble sort pour servir des loops. Qui fait des loops, un là pour lui faire ce pass. Et là pour faire plusieurs passes. Et là c'est un pass. Et là repeat là pour plusieurs passes. Correct? C'est là pour faire un pass. Ça fait loop là. Mais il y a un repeat loop en dehors pour faire plusieurs passes. Correct? Maintenant, nous avons un code qui est identifier qui est servi dans bubble sort. Comment il déclare? On déclare my list. Il y a un array 0 à 8, c'est-à-dire 9 éléments. Il y a un upper bound, c'est-à-dire 8. Qui est pour égal 8, qui est mettre là, upper bound, ce valeur à 8, parce que maximum de 8. Il y a un lower bound, ce minimum valeur 0. Voilà, ça te upper bound, te lower bound. C'est-à-dire que array sur lower limit c'est 0, sur upper limit c'est 8. C'est-à-dire c'est même qui appelle lower bound avec ton upper bound. Right? Index c'est pour accéder à tout un élément de array là, et les integers. Swap les boolean. Bon, nous reconnecter là. Maintenant, j'ai pas rentré. Bon, on fait tout mes élèves rentrer là. Ok. Vérifier là après nous voir les autres. Regardez ce qui est sur l'examen. Ok. J'espère que vous allez suivre moi là. Je vais maintenant rentrer. Mais très très important, hein, vous êtes pratiqué. Et dans ce pratique, c'est dans ce bébé, tu as la code, tout le monde perd vos autres, pas fait l'examen, tout le monde perd vos autres. Ça s'appelle peut-être assez long, il n'est pas autant facile. Il y a beaucoup de pratiques, ils ont besoin de pratiquer, c'est un point de pratique, ils ont oublié. Ok, nous continuons à causer, laissez les autres rentrer. Voilà.
Ok, ça nous note. Et nous tenons la caméra là pour le moment. Voilà, vous espérez que vous êtes là, hein? Micro correct là. Bon, bien nous pouvons ce côté sud-côte, nous pouvons c'est-à-dire Miley's Arela. Arela peut être 9 éléments. Ça nous lower bound, upper bound. Et lower bound, upper bound, c'est lower limit, upper limit d'Arela. Ce lower limit, les 0, ce upper limit, limit. Et index, c'est pour accéder tout un élément d'Arela. Swap, les pour boolean, quand vous avez swap, pas besoin swap. Mais là, tu peux swap, tu peux servir temps. Parce qu'il y a des swap en affaires, tu peux garder du temps pour rien. Et top, les pour guetter, côte. Tu te rappelles une chiquette, la top, les d'un temps, entre sorted list avec ton unsorted list, les pour guetter côte du fond. Bon, rappelle bien, dans bubble sort, pour la deux loops. Ça, ton outer loop qui peut faire ton bande passe, et ton inner loop pour faire un passe. Un passe veut dire depuis le commencement à la fin, les pour tirer un gros. Et repeat loop, ça pour répéter pour plusieurs next largest les pour tirer. Maintenant, qui peut le checker là-dedans? Il peut le checker si un élément de. Si ça élément de la liste là, array là, si index les pour 1. Il peut get index plus 1, il peut win D. Il y a dans array là, sa première position avec sa deuxième position. Parce que si nous donne index en valeur N, mettons nous donne index en valeur allez, 0. Mettons nous donne lower bound valeur 0. Et index gain valeur 0. Et là, my list position 0, tu peux comparer dans ma, avec my list position N. Et là, dans la liste là, position 0, tu peux comparer avec position N. Si position 0 plus grand que position N, là, tu peux faire swapping. Bon, swapping est simple. Mais dire position 0, tu peux avoir dans temp. Et position N, tu peux avoir lié côté 0. Et là, la position côté temp, tu peux avoir lié côté position N. Et ça boolean là, il peut venir true. Bon, on peut expliquer ça plus bien. Mais dire là, tu peux faire première passe. Première passe, qui veut dire tu peux aller dans l'arrêt là, tu index ce lower bound, veut dire tu commences par 0. Et tu peux comparer avec 0 plus 1 min n. C'est-à-dire, élément code 0 avec n, arrêt là, tu peux comparer. Si position 0 est plus grand que position n, là, tu fais swap. Swap, il y en a 3 la ligne là dans tous les temps. C'est-à-dire, tu peux prendre la position 0, tu peux garder le temps pour regarder n. Et position n, tu peux avoir le code position 0. Là, position temp, tu peux retourner la position n. Donc, qui veut dire ça? Nous retournons dans nos notes, nous pour expliquer toi là. Voilà, nous venons là. Là, tu peux comprendre les plus bien. Ok, ici, tu peux comprendre. Voilà. La première passe, même, nous vous prenons. La première passe. Voilà. Get my list. Get si index de la position 0. Tu peux comprendre index position 0 qui valait à y aller. 27. Et tu peux comprendre avec index plus 1. Qui valait à y aller index plus 1. 19. Mais il y a 27. Est-ce que 27 plus grand que 19? Si 27 plus grand que 19, tu veux dire swap. Mais dire 27 pour une devant. Et 19 pour à l'arrière. Mais le problème, tu n'as pas qu'à faire à direct. Tu dois mettre 27 dans temp et tu prends 19, tu envoies dans la position 0 et valeur temp là, tu retournes le 27. Il écrit ça dans 3 la ligne. Swapping fait dans 3 la ligne qui était là. Voilà, je vais expliquer ça là. Là. Voilà. Si élément position 0 plus grand qui, voilà, plus grand qui élément position n. Là, tu prends position 0, tu gardes le temps. Tu prends valeur qui est dans la position N, tu envoies la position 0. Là, valeur qui est dans le temps, tu envoies la position N. Ça fait swap. Swap tous les temps, il fait de 3 là. Et boolean. Swap variable pour une true. Et il est là, top pour bien minus 1 parce qu'il y a un élément, tu finis tiré. Ça, c'est ta première passe. Il fait la première passe. Il tient plus gros. Là, top pour bien diminuer par n. Qui fait top pour bien diminuer par n, tu sautes de liste, tu grandis, et tu unsautes de liste, tu diminues. Il y a top, tu peux tracter de unsautes de liste. Et ça répéter jusqu'à ce qu'il y ait une peine pour swap encore, ou bien top win 0. Si top win 0, il y a peine à l'élément dans la liste. Maintenant, là, je vais copier ça dans VB, je vais runner. Ok. Même petite chose ici, bubble sort, un procédure ça, bubble sort. Et là, nous pouvons dans VB. Et là, qui nous tiquette en termes sous-de-code. Qui nous tiquette en termes sous-de-code.
Maintenant, il y a la même procédure en termes VB. Dans VB, nous appelons ce programme. Si je te dis, je vais copier ça dans VB. Montrer vais comment ça marche. C'est mon moment car on est entier dans mon C montre un petit bout. Je vais compléter dans VB. Voilà, nous ouvrons VB, nous faisons un sorting comment c'est. New project, console application, un petit pratique, nous avons la comprendre. Voilà. Et là, dans VB, nous créons une procédure là comme ça. Voilà. Dans main, là nous boucle. Dans main, nous boucle, bubble sort. Voilà, bubble sort. Bubble sort, nous décollons lui dans main. Voilà. Ok, voilà, on va espérer les enfants me comprendre. Le domaine, nous fait call bubble sort. Et là, il rend la procédure bubble sort. Et bubble sort commence, et là, il fait un choix. Voilà, ça, mon main. Nous fait call bubble sort. Il vient de bubble sort. Maintenant, nous regrettons qu'ils aient fait nous connaître de bubble sort. Moi, Harry, il y a 10 éléments de moi, Harry. 10 éléments de moi, Harry. Upper bound, lower bound. C'est-à-dire, upper bound, de niveau à l'air. Bien fait, là. Upper bound, de niveau à l'air à 0. Non, lower bound, va aller à 0. Upper bound va aller à 9. Il y a 10 éléments dans ça. Il faut faire comme ça. Upper bound. Upper bound, mon cas de nième va aller à 9. Et lower bound, mon cas de nième va aller à 0. Voilà. Et déjà, mon lower bound avec un upper bound là. Correct. So, this is my array. Il y a 10 éléments. Mon upper bound, mon lower bound. Index, il y a un peu accès à l'élément d'arrêt. Là, il y a un arrêt comme ça. On donne un seul index. Ici, le index position n. Ici, même arrêt, mais index li plus 1. C'est-à-dire n élément par devant. Correct. Et voilà, je swap le boolean. Et top, le commencement, il prend valeur upper bound. Bon, rappelle bien tous les temps, on a deux loops dans un bubble sort. Bon, premier loop là, on donne ici une écrit comme un for loop, l'itika écrit comme un while loop, il n'y a pas de loop l'itika écrit. Mais rappelle bien une affaire, le premier loop en dans inner loop, il pour faire un premier pass. Et qui dit pour comparer, il pour comparer dans array là un élément avant avec un élément après. Comment tu connais ça un élément avant ça? Index. Et après là, il index plus 1. C'est-à-dire si sa position 0, ça va être une position n. Si sa position n, ça va être une position d. Si sa position D, ça pour une position 3. Il veut dire qu'il faut comparer ce élément. Si il est plus grand, il fait swap. Rappelle bien, swap est en 3 la ligne. Il veut dire index de la position avant là, 0 là, il peut avoir le leader temps. Et index plus 1, il peut avoir le leader index. Et là, il peut retourner temps de index plus 1. Voilà, ça 3 éléments swapping. Si je ne comprends pas, je vais expliquer. Et si il peut faire swapping, ça boolean variable là, swap, il peut une true. Et ça, c'est notre première passe. La top diminue, et ça pour répéter jusqu'à qui top min 0 ou bien no more swap. Bon, si je rends ça, mais ce n'est pas pour moi aussi, c'est là parce qu'il fait. Dans nos arrêts, nous avons fini rempli élément. Et dans nos arrêts, il n'y a aucun élément. Nous n'avons pas pour rendre. Nous avons fini une seule data là-dedans. Voilà, nous avons une question d'examen, il est plus facile. Bon, est-ce qu'il y a encore une bonne façon, et une deuxième façon de faire bubble sort? Voilà, je guette. Ça c'est un deuxième exemple, mon avocat dans notre ça. Vous avez compris là? Arrêtez de nous poser ces questions là. Ça va? Oui, ça va. Allez. Là. Maintenant, nous regettons un autre bubble sort, une deuxième façon d'écrire. My list, c'est arrêt là. Dans arrêt là, il met tout simplement un élément là. Vous pensez que c'est un autre carré? Le carré, c'est un autre. Ok, so, repeat loop en dehors. En dans ton repeat loop, tu as ton for loop. Ton for loop, c'est ton passe, premier passe. Et repeat loop là pour tout bon passe et jusqu'à qu'il top 0. Bon, nous avons un coup là-dedans, l'infini crée ton array, l'infini crée ton index. Voilà. Top ligne de nid, nombre d'éléments dans la liste là, minus 1. Ok. Et là, il peut comparer. Si il est plus grand, il est pour swap. Swap est à 3 la ligne. Rappelle bien, tu l'état index, il peut avoir le code temp. Et index plus 1, il peut avoir le code index. Là, il retourne temp code index plus 1. Et swap pour gagner valeur 0. Et top pour diminuer par n. Et ça loupe là pour répéter ce qu'a top 0. Et là, ici, ça boute là, pas nécessairement. Ici, il peut un output de sorted list. Ça boute là qu'il peut output, output de sorted list. Bon, ça, c'est un joli programme que tu as copy-paste, tu as mis dans VB pour comprendre plus bien. Maintenant, nous avons encore notes. Toujours avec Bubble Sort.
une petite dry run, ok. Et là, nous mettons bien dans le repeat loop, toujours. Et en dans le repeat loop, nous dans le for loop, voilà. Et là, dans les comports J, et les arrêts position J avec J plus 1. Si les plus grands, valeur J, nous pouvons avoir dans temp, et les valeurs J plus 1, nous pouvons avoir dans J, et valeur temp là, nous pouvons retourner au J plus 1. Et swap, swap, les peut swap. Est-ce qu'il y a swap? Ici, no more swap, les mettre false, ok. Et commencement, je mets du true, ok. Bon, là, tu sais, il peut faire entrer ça, ban line number, il peut exécuter. Et ça, tu array, get la my list, c'est array là. Array là, commencement, qui va aller, tiens, 5, première position, tiens, 5, après, tiens, 34, 98, 7, 41, 19 et 5. Bon, ce premier swap qu'il fait, il y a plus gros élément. Ça, ce premier swap qu'il fait, plus gros élément, c'est 98. Deuxième passe, comme ça, il peut faire, il peut tiens, next plus gros élément. Next plus gros élément, vous pensez 41. Et comme ça, il peut swap, il peut aller, il peut tiens, next plus gros élément. Bon, si tu, combien d'éléments tu as dans ta arrière? Là, tu as 8 éléments. Non, non, 1 à 7. Il y a 7 éléments. Il y a déjà 6 swaps, il vous a fini mettre dans l'autre. Ok? Et là, vous avez get les, vous avez comprendre. Il continue. Voilà. Le target ça très stable là. Maintenant là-dedans, elle a fait un petit peu drôle. Un bubble sort, mais seulement l'insérer des for loop. Un for loop et en dans l'in un autre for loop. Ok, il n'y a pas un repeat avec for. L'insérer des for loop. Un for loop et en dans un autre for loop. Il a un droit à faire ça. Maintenant, en dans for loop là, il compare. Voilà, il compare. Ok, et si les comparer, il faut le cas swap. Et ça, c'est trois la ligne qu'il peut faire ce swap. Voilà. Maintenant, là, il peut donner un saut de vis. Maintenant, bubble sort, il donne un saut de côte. Comment ça fonctionne? Et bubble sort, voilà, on peut continuer. Mais là, nous pouvons taper question l'examen maintenant. Ok? Are you ready for exam questions? Ok? Get exam question. Maintenant, observe ça. J'ai 10 000. Ok. On va un coup. Ok. Si int qui diffère, il fait les mini integer. Ok. Il convert integer. Il y a si un string ça, il convert l'integer. D'accord. Il fait un string and text. Pas text, mais plutôt un chiffre qui a un du même, mais le string, il convert il fait les mini integer. Ok, pour les graphes et les calculs. Maintenant, nous continuons. Get ça bien. Un sorting algorithm qui est un bubble sort. Tout le temps, nous avons un bubble sort et deux loops. Ça, c'est inner loop et le classé, c'est outer loop. C'est so outer loop. Right? Tu as un inner loop avec ton outer loop. Mais tu as servi outer loop là pour comme un repeat loop. Ici, il peut servir deux for loop. Right? Et là, get bien. Ça, c'est pointer. Ça, c'est index là, les pointer. Ici, là, les pointer plus 1. Si pointer plus grand qui pointer plus 1, là il peut swap. Donc comment il fait swap? Il prend valeur pointer, il met dans temp. Il prend pointer plus 1, il met dans pointer. Et temp là, son valeur est retourné dans pointer plus 1. Pas mal. Ok, maintenant, nous pouvons faire une affaire qui est intéressante. Voilà. Il peut dire comme ça. Qui has import ça special case name list is already in order. The algorithm import b is apply special case. Explain how many iterations are carried out for each loop. Bon, outer loop là, il peut faire 9 fois. Qui fait il faut 9 fois? Outer loop là, il peut faire 9 fois. Correct. Et inner loop là, il peut faire 9 fois. Correct. Parce que ça peut faire 9 fois et ça n'a pas fait 9 fois. 9 veut dire, ok, veut dire how many iterations are carried out for each of the loops. Veut dire ça, outer loop là, combien de fois il fait 1 à 9. Ça, inner loop là, combien il fait 1 à 9. 9 fois 9, combien il fait 81 fois, il peut répéter ça. Ok, voilà, veut dire outer loop là peut faire 9 fois. Une loop là peut faire 9 fois, 89 fois il peut faire sa loop là. Nous dépendons en dataset. Bon, là-dedans, qu'il y a toi,
La dolle elle peut servir faux loup, il y a des désavantages. Qui désavantage il y a, si jamais, comment dire, repeat loop, si jamais des dollars sont déjà sautés, il peut servir moins iteration. Mais à cause de nous servir faux loop, il veut dire 9 fois 9, 81 fois, il est obligé de faire. Il n'est pas pour réduire le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, il pourrait se fixer. Parce qu'il faut loop, il est fixé. Par contre, si il y avait un repeat loop en dehors, il peut faire moins si les data sont déjà sautés. Il veut dire que notre dépendance dans le dataset, il ne pas dépendre de la valeur qu'il peut garder dans un relan. Il veut dire si la valeur est déjà dans l'autre, avec l'autre band loop, il peut moins d'itérations. Mais avec un faux loop, il est fixe. 9 fois 9, 81 fois, il peut faire. C'est pour raison qu'on voit. Bon, rewrite l'algorithm là, how to reduce, voilà ce qu'il dit, reduce the number of necessary comparison. Bon, là, ça a une question intéressante. Qui dit pour faire? La place de PC a vu ça, faux loop là, on dit où faire des fois, dit pour servir un repeat loop, là, il peut diminuer le nombre de fois comme il peut exécuter ça. Voilà l'une servie, un repeat loop. Vous remarquez là, il a repeat until no more swap. En dans la ligne, on dit un faux loop même parce qu'il faisait passe là-dedans. Il y a le PCV repeat loop en dehors, il peut diminuer, voilà. Change the outer loop to a repeat loop or a while loop. C'est le sens dit. Instead of using a for loop, ok, il y a là number of iterations pour diminuer. Ok, il peut arrêter parce que si jamais le mandat est déjà sauté, il peut diminuer. Voilà. Ça, sous le code, comment servir un repeat loop comparé avec un deux for loop qui est servi pour un bubble sort. Question pour moi? Le chat peut encore suivre, vous allez finir à manger. Non, non, mais il n'est pas facile là, ce qu'il veut faire, il y a un travail là-dedans. Il faut les programmer pour comprendre. Question d'examen, ça, hein? Regarde là, il servit, il peut get sa efficiency de sa algorithm là, get sa bubble sort qui est servi là. Il servit default loop ici. Mais default loop, il est fixé, 9 fois 9 fait 81, non? 81 fois, à cause de l'état qui fait sa itération là. Il n'est pas trop bon. 9 fois 9, outer loop, inner loop. Il y a la ligne de sens dit. Comment tu as fait une plus efficient? Il veut dire, elle est là, tu as dit, ça outer loop là, il peut se répéter until no more swap. C'est peine à swap. Il est déjà sauté en dans loop là, il peut garder pareil. Ok, bubble sort, vous avez une bonne hein, avec ça l'exemple. Maintenant, nous faisons l'autre papier d'examen. Juin 2018, papier 41, question 2. Voilà. Bon, là, dis-moi, allez là, comment appeler? Item list. Ouais, combien d'éléments il y a là-dedans? Hein? Allez, combien d'itérations d'après toi pour faire? Combien ça, comment appelle ça? Un pass. Supposément 19, pas rien, c'est ça. Non, il est bon là, 19 fois même. Ça va être très bien. Maintenant, regarde là, il servit un outer loop et il y a un inner loop. Mais malheureusement, ici, il peut servir for loop. Right? Il peut servir for loop. Maintenant, sa comparaison là, plus facile à écrire ça. Comparaison tous les temps. Item list, en dedans il n'y a qu'un inner. Ici, qui peut écrire inner plus one. Vous comprenez ce qu'il fait? Regarde là-haut, regarde ce qu'il fait dans outer loop. Je vous montre ça, regarde là. Name list, chargé là. En dedans, il servit pointer. Et ici, il vient pointer plus one. Qui fait ça? Parce que si jamais il peut servir. Regarde là, par exemple, il servit pointer comme index. Ici, qui est vient next element. Next element d'arrêt là. C'est pointer plus one. Correct? Dans cette note, nous donnons ça. M'expliquer. Maintenant, ici, si l'IPDiateur, comme ça, l'IP servi inner. C'est-à-dire, ou recréer ça pareil, item list inner plus one de bracket là. Correct? Maintenant, ici, qui dit pour prendre? Il dit pour faire inner all dans temp, et il pour prendre inner plus one. Il pour avoir le code inner. Ici, il pour prendre temp, il pour prendre temp, il pour avoir le code inner plus one. Qu'est-il là? Voilà. Je vais m'expliquer. Item list inner, c'est-à-dire ça c'est n position, ici il y a n position par devant. Il y a qu'on passe ça à la position avec celle-là. Celle-là inner, celle-là inner plus one. Et si inner plus grand qui inner plus one, là il fait swap. Et swap il y a trois la ligne tous les temps. Bon, tu prends inner, tu avais écouté temp, tu prends inner plus one, tu avais écouté inner, et tu prends temp, tu retournes écouté inner plus one. Correct? Et voilà. Il commence n à maximum minus 1. Correct. Et là, le number of items minus 1. On pense au cas. Explain why the algorithm is inefficient. Qui fait l'inefficient?
parce qu'il a des faux loups qu'il peut faire, et même s'il est déjà sauté, il peut bien continuer à comparer. Mais dire ça, des faux loups, l'itération n'est pas trop bon pour servir, parce qu'il peut faire une unnecessary comparison. Même si il a déjà sauté, il n'est pas efficient. Et dans ce place, il vous dit qui vous servit. Ça outer loop là, tout ce cas, c'est un repeat loop, soit un while loop. Explain how to improve the efficiency of the algorithm. We get to outer loop. Why? You put the inner loop là. The inner loop has made all the comparison with no changes. En fait, tu as besoin de ça outer loop là. Outer loop là, tout ce qu'a fait, c'est pas un while loop. Maintenant, insertion sort, on va encore expliquer. On va voir là-bas. Tu zoomes avec mon bubble sort et tu trouves un for loop et en dernier un for loop. Bon, une des affaires là-dedans qui vous êtes facile à remarquer, sa comparaison là, tu es facile à faire. Ok, nous faisons sa comparaison là, nous montrons votre réponse là. Voilà comparaison. Comparaison là, c'est un relap et list inner et ici pour inner plus one. Mais tu prends inner ce valet, tu avais écouté temp, tu prends inner plus one, tu avais écouté inner et tu retournes temp de inner plus one. Correct. Bon, 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 bon. Même chose, nous pouvons causer. Bon, nous allons arrêter la même là. Et nous arrêtons notre vidéo. Et nous allons essayer de savoir le programme là. Après, vous pourrez venir vers moi. Ok.